La mort du chef militaire de l'ex-rébellion Touareg au Mali, Cheikh Aoussa, a été tué samedi dans une explosion à Kidal. La nouvelle a été confirmée par la coordination des mouvements de la Zawad qui contrôle la localité. Sa voiture aurait sauté sur une mine, mais la thèse est loin de faire l'unanimité. Nous tenions une réunion avec la MINUSMA et Barkhane. Je conduisais la voiture quand nous avons quitté le camp. Puis, en face du camp, je suis allé dans ma voiture. Nous nous sommes arrêtés pour la prière. Nous étions dans 4 voitures. Habib était en avant, puis Hassan Fagaga et moi. Il était le dernier du convoi et parlait au téléphone. Une fois qu'il est arrivé ici, j'ai vu sa voiture exploser. L'explosion s'est produite pendant qu'il roulait. L'engin était dans et non sous la voiture. Cheikh Aoussa était la deuxième personnalité du Haut Conseil pour l'unité de la Zawad après un passage au sein du groupe en Sardine entre 2012 et 2013.